Voilà. Vous avez vu un peu Zemmour, la popularité, ce que c'est chez les jeunes. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on vous aime, hein. Les Français vous aiment. C'est la... Bah, non, il faut voir... Faut... Ça, je vais vous dire... Pour Éric Zemmour, qui ne vous connaissait pas il y a 2 heures, c'est un choc, hein, croyez-moi. Mais pour le public français qui écoute de la musique et qui aime la pop music, eh bien évidemment, c'est une star qu'on reçoit sur le plateau ce soir. Vous êtes évidemment au courant du tabac que fait Lady Gaga à travers nous le monde. Nous sommes très Sylvie. Lady Gaga chez nous. Vous êtes très Lady Gaga chez vous aussi. Lady Gaga parle un peu français, mais on a quand même une traductrice avec nous. C'est vrai que vous parlez français? Oui, je parle un peu de français. Ne soyez pas débile quand même, vous n'avez pas un peu dire parce qu'elle parle français. Et ce n'est pas la première fois que vous venez à Paris? Non, I've been here before. J'ai déjà été là précédemment. J'ai des fans fantastiques en France. C'est mes petits monstres. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu par votre look, parce que j'ai regardé tous vos clips, évidemment, et j'ai lu toutes vos interviews, et vous expliquez bien que ce que vous aimez, c'est non seulement la musique, mais c'est tout un concept, c'est-à-dire votre façon de vous habiller, de vous coiffer, tout ça, c'est un tout. C'est-à-dire que Lady Gaga, c'est un personnage qui se cache derrière la jeune fille que vous êtes. Je peux vous demander votre âge, Lady Gaga ? I'm 23. J'ai 23 ans. 23 ans. Et donc, c'est un vrai personnage que vous vous êtes créé ou est-ce que vous avez l'impression d'être la même aujourd'hui que vous êtes connue? Ce n'est pas un persona. Je suis la même personne. Je fais de la musique depuis très jeune. And I wrote my entire et album, c'est moi qui ai composé mon album en entier. Which most people don't know about me. Et beaucoup de gens ne me connaissent pas et ne le savent pas. I designed the music c'est in moi tandem qui m'occupe de la musique, tout ça en collaboration avec le spectacle, tout va ensemble. And it's meant to et be l'idée est d'être complémentaire. Et c'est un commentaire sur la célébrité, sur la culture, l'effet qu'elle a sur les gens. Wants to be passionate, but maybe don't les know gens how. Qui aimeraient se lancer avec passion dans quelque chose, mais ne savent pas comment le faire. Et vous faites très attention aux clips, évidemment. Vous ne vous laissez pas faire. C'est vous qui décidez, évidemment, de ce qu'on va voir dans vos clips. Vous ne les réalisez pas vous-même, mais c'est vous qui les écrivez. I write the treatments and I effectivement, je les écris, je travaille avec les réalisateurs. I wanted with Joseph Kahn for the AA je voulais, j'ai travaillé avec Joseph Kahn sur le clip de AA et pour trouver en fait quelque chose d'assez unique. Merci pour l'enchaînement puisqu'on va regarder tout de suite justement un extrait de ce AA qui va forcément être un tube parce que les précédents extraits ont déjà été des tubes. C'est assez rare sur un seul album d'avoir autant de succès. Voici donc le nouveau succès de Lady Gaga, extrait du même premier album, Hey Hey, Nothing Else I Can Say. Chanson qu'on entend déjà évidemment sur toutes les radios et hey, hey, Nothing Else I Can Say. Mon accent vous amuse beaucoup, j'ai l'impression. Vous trouvez que je parle très mal l'anglais ou l'américain? Non. Non, c'est parfait. Non. Hey, hey. C'est parfait. Elle oui, pensait que vous parliez bien l'allemand, là. Bah, écoutez, je vais faire de mon mieux, en tout cas, pour essayer de parler de votre parcours assez incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a quoi, il y a 12 mois, 13 mois, 18 mois, en tout cas chez nous en France, on ne vous connaissait pas.
C'est un départ fulgurant dans cette carrière. You know, every day I'm, vous savez, chaque jour, I have this kind of amazing j'ai awakening in the morning. Ce réveil impressionnant le matin, when surprenant, I remember being où alone in je my me souviens isolé, seul, dans mon appartement de New York, very tiny, tout petit petit, with lots of jobs avec plein de petits boulots, et puis seulement piano. Mon talent avec moi comme compagnon, et mon piano, et les rêves. Alors, comme moi. Pardon ? Exactement comme moi. Comme vous, Samuel. Je me rappelle parfaitement de ce moment de ma vie. En tout cas, et c'est terrible, je regrette de ne pas être reçu ici comme une star sans être au début obligé d'assister au début de l'émission. Vous savez pourquoi ? Parce que... Et de ne pas débarquer comme ça, comme une star avec des lunettes vertes, comme c'est un peu chier, franchement. Ah, mais c'est une star ! Mais moi aussi, putain. Peut-être. Tenez, ouais, non, ça va, je ne peux pas encore. Mettez les lunettes de Lady, regardez, voilà. Je vais ressembler à Elton John. Mais je pense qu'Éric Zemmour devrait les mettre parce qu'il aurait un côté le méchant. Véritablement, regardez. Pour ça, il faut vendre des centaines de milliers d'albums. Peut-être tu as peur. Ils n'iront jamais. Ils se repassent tous le bébé parce que personne n'ose les mettre quand même. Ça va, voilà. Tu veux passer mon clip ou pas? Ah, j'ai fait un super clip, j'ai supervisé toute la direction artistique. Orlando, clip s'il vous plaît. Ouais. Lady Gaga vend des centaines de milliers d'albums à travers le monde. Mon pauvre Samuel, qu'est-ce que je veux dire, je vous dis, moi c'est comme ça. Et les jeunes... C'est l'Amérique. Pardon? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Ouais. Alors évidemment, on vous compare forcément tout de suite. J'imagine que ça vous énerve à chaque fois qu'on prononce son nom. On dit c'est la nouvelle Madonna. Mais alors ça, vous en avez ras-le-bol quand vous dites ça, non? No, nothing irritates non, me. Rien ne m'agace. Vous savez, cette année a été fantastique et que l'on me compare à une autre artiste femme qui a cette personnalité, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et je crois que c'est très important de pouvoir être unique, de l'accepter, de se lancer dans cette relation. Et c'est pour ça que j'ai cette relation si étroite avec mes fans. Ils viennent me voir à mes spectacles. Et il y a cette relation unique avec chacun d'entre eux. Et c'est une véritable célébration à chaque fois. Alors, faites un peu de la provoque, comme Madonna. J'imagine, quand vous répondez aux journalistes, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais moi j'ai l'impression que vous faites un peu de provoque quand même. Vous dites, pour vos inspirations et vos influences, que vous écrivez sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire le sexe, bon, ça, je veux bien vous croire, la pornographie, l'art, l'obsession de la célébrité, ça vous nous l'avez dit déjà, les drogues et l'alcool. C'est un tableau assez apocalyptique quand même. Le sexe, la drogue, l'alcool, la pornographie. No, that I'm an expert. Je suis une experte. C'est vrai. Alors parlons plutôt. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parlons plutôt de vos influences musicales. C'est pas Madonna, c'est plutôt David Bowie, Prince. Prince plus que Michael Jackson. Both of them. Les deux. What I love the most about Michael Jackson. Ce que je préfère chez Michael Jackson, d'ailleurs, c'est tout ce show business qu'il y a derrière, vous savez. You see so many vous voyez, de nombreuses personnes comprennent ce qu'est l'importance, l'importance que représente le show business. Toute cette idée selon laquelle que la mode, toutes ces choses ne sont pas importantes. Et pour moi, au final, c'est ce qui est très important, la pop culture. C'est un peu l'idée de choquer derrière, vous voyez. Et David Bowie, alors, pour vous? I remember listening to Aladdin Sane on repeat in my apartment. Je me souviens avoir écouté de nombreuses fois en boucle Love Insane. And I had my turntables on my kitchen table. Et j'avais une petite table tournante, en fait, mon tourne-disque sur la table de ma cuisine. And I don't know. Comment vous dire? I worshipped him for oh, je l'ai tellement, je l'ai adoré pendant longtemps. Alors je vous ai posé Vénéré. Une question idiote tout à l'heure, ce ne sera pas la dernière, mais je vous ai demandé si vous étiez déjà venu à Paris. Mais oui, forcément, j'étais en vacances, alors je ne pouvais pas le savoir, mais vous êtes passé ici à l'Olympia en juillet dernier, le 9 juillet dernier, vous avez fait l'Olympia chez nous. Ça s'est bien passé? It was so amazing. Everybody c'était impressionnant. Was jumping, les gens sautaient, transpiraient et vomissaient les uns sur les autres. Ah oui.
J'étais pas au courant, Laurent, que l'Olympia s'était transformé en boîte échangiste. Avant, avant d'être seul en scène et d'avoir le succès que vous avez fait la première partie des Pussycat Dolls dans une tournée à travers l'Europe. Aujourd'hui, vous êtes plus célèbre qu'elle. You know what? I'm really grateful, vous savez, je suis extrêmement reconnaissante de cette opportunité qu'elles m'ont donnée. Elles m'ont fait voyager dans le monde entier. C'est vrai que je suis très sérieuse dans cette volonté d'être la plus grande artiste sur scène de pop. Et c'est vrai, lorsque je reviens maintenant en France et lorque je reviendrai d'autres fois, eh bien, ce ne sera pas une petite salle, ce sera dans un stade. Ah oui? Et ça, grâce à elle. Et c'est Kanye West qui va organiser votre prochaine tournée, c'est ça? Oh, actually, we're co-headlining together. Non, ensemble, nous sommes en affiche, sur l'affiche ensemble. And it's going to be one of the most amazing tours ever. Une des tournées les plus impressionnantes. We've been like locked in a room for a week together. Nous nous sommes enfermés dans une pièce pendant une semaine ensemble, en créant tout, en préparant le spectacle. He's really cool because c'est quelqu'un d'extrêmement cool. He's not afraid of il n'a peur des femmes fortes. Quand on s'enferme dans une pièce pendant une semaine avec Lady Gaga, il y a de l'alcool? Non. Not when we're working. Non, pas lorsque l'on travaille. Il y a du sexe? Non. Non plus. It's walls and walls. Ce sont des murs, references, des affiches avec des références. We eat a lot of cereal. On mange beaucoup de céréales ensemble. En tout cas, cher Samuel, puisque manifestement vous ne connaissiez pas Lady Gaga avant de venir ici. Non, mais moi je joue dans plus grand que des stades, quoi. Ça me fait rire des stades, franchement. Ah c'est oui? Un peu. Et non, mais en même temps, je trouve que c'est étonnant l'Amérique, quoi. Et c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Je crois qu'il craque devant vous. On a là. Non, mais je trouve ça formidable. Vous avez c'est en face de vous un séducteur. Like si, bien sûr, j'adore l'Amérique. Vous n'avez pas les j'adore l'Amérique. Mais je trouve que c'est incroyable la façon, donc c'est la promo est extraordinaire, quoi. C'est monstrueux. Nous, on est des minables à côté. Mais surtout, surtout la machine de promo est toujours sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire promotionner quelqu'un qui n'a pas de talent, c'est pas la promo. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais succès, hein. Je veux dire, c'est sur les thèmes. C'est toujours le sexe, la drogue. C'est-à-dire qu'on a retourné les interdits oui, des années 60. Chose. Et non, non, ce n'est pas vrai. Vous avez tort. Parce que women, when they les femmes, sing about sex lorsqu'elles drugs, chantent sur des sujets qui sont le sexe et la drogue, vous savez, je chante ces sujets, mais comme le ferait un homme. Et ça, c'est très différent dans le contexte. Et je ne suis pas devenue célèbre grâce à la promotion qui est autour de moi. Mais non, simplement parce que la communauté gay est derrière moi. Et c'est ça qui m'a rendue célèbre. Madonna nous a payé. Et puis après, je reviens sur les chansons parce que je voudrais qu'on écoute trois autres extraits d'albums. Nolo. Non, mais déjà, ça fait un quart d'heure que je jure sur la tête de ma mère que c'est à Zemmour, que c'est pas un sketch de Jonathan Lambert. Ah oui, il veut pas me croire. C'est vrai. T'es convaincu c'est vrai. Maintenant je suis ou pas convaincu, ouais. Et puis, alors, il est très fort. Puis pour les oreilles françaises, on comprend bien pourquoi vous vous appelez Lady Gaga, c'est votre nom d'artiste, parce que vous vous répétez beaucoup dans les chansons. Et en fait, dans vos chansons, j'ai repéré que quatre thèmes. Je veux être célèbre, je veux être riche. Je veux danser, je veux baiser, et si possible, les quatre en même temps. C'est riche. Ce qui est une question d'organisation et de souplesse. Comment vous dire, je ne vais pas composer un disque sur des sujets politiques, parce que simplement, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, je ne vais pas écrire sur la paix, parce que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement croyant. Je suis simplement une fille de New York. Qui fait de la bonne musique. Qui adore se défoncer et faire la fête avec ses copains. Comme tout le monde, ici, dans cette salle. Et ça marche. Et attendez, juste une chose. Et si elle s'appelle Lady Gaga, c'est en référence à Freddie Mercury et au groupe Queen. Exactement. C'était un surnom que m'avaient donné mes amis. J'avais fait un spectacle en prenant des différents extraits de pop à une époque où j'étais complètement inconnue. Et ils ont dit « Ah, t'es complètement Gaga ». Comme cette chanson. We'll be right back.
intéresse, hein, Lady Gaga. Mademoiselle a beaucoup de talent, elle est ravissante, mais je me méfie en général de deux choses. C'est les gens qui préfèrent à tout le reste ce morceau de Queen dans la chanson de Queen, c'est la chanson que j'aime le moins. Et puis les filles qui disent I'm an expert sexuellement, en général je me casse au pieu, c'est nul. Vous avez déjà testé les Français ? En dehors de Zemmour, on veut dire. I'm a lady, I don't talk about je suis une lady et je ne parle pas de ces sujets. Vous les chantez ! Vous les chantez ! Sex, drogue et rock'n'roll. En tout cas, je vous le disais, l'album The Fame est 4 fois platine en Irlande, 3 fois disque de platine au Canada, 2 fois disque de platine en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Suède, Belgique, Norvège, Danemark, Finlande et en France. C'est un succès mondial et c'est très rare d'avoir autant de titres qui sont des succès issus du même album. Voici les titres précédents qui justement ont fait des tubes. All right, just un carton avec ses différentes chansons, Love Game, Poker Face. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez 23 ans, vous vivez à New York toujours, quand vous n'êtes pas en tournée à travers le monde. I live right here. Non. I'm homeless. Je n'ai pas de... Je suis sans domicile, en fait. J'habite où je suis. Très bien. Alors là, vous allez habiter à Paris. Vous restez combien de temps chez nous à Paris, là, ces jours-ci? For one more night. Une nuit de plus. And then I go to Et New après, York. Je rentre vous à New York. Vous venez de décider là maintenant ou c'était prévu? No, I'm just here one more night. Non, non, c'était comme ça. Une nuit de plus et après je vais donc au vidéo MTV Music Awards. J'ai été nommée dans 9 catégories. Ah oui. J'ai vu ça. Effectivement. Moi aussi. Le 13 septembre. Le 13 septembre, elle sera au MTV Video Music Awards pour le clip de l'année, la révélation de l'année, le meilleur clip pop, la meilleure réalisation, le meilleur montage, les meilleurs effets spéciaux, la meilleure cinématographie, la meilleure direction artistique. C'est assez incroyable et assez impressionnant. Vous aussi, Ben Chetrit. Arrêtez, Ben Chetrit. Vous êtes un jaloux, Ben Chetrit. Non, mais c'est le roi de la promo, elle est magnifique. Je la trouve très honnête, Lady Gaga, parce que dans une interview, elle dit... j'ai toujours voulu être danseuse, j'ai toujours voulu être chanteuse ou actrice, mais ce qui était sûr, c'est que avant tout, je voulais être vue. Ça, c'est réussi et c'est un véritable aveu parce que c'est très rare. Il y a beaucoup d'artistes qui disent non, c'est pas pour. Il y a plein de gens qui disent la vérité, c'est des grosses conneries aussi. Hein, c'est pas grave. Non, parce qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup aux jeunes, c'est un leitmotiv, hein, de justement ne pas vouloir être artiste, mais de vouloir être connu. Vous l'assumez, ce que vous vouliez, c'est avant tout être connu. Il se trouve que je veux vraiment offrir à mes fans quelque chose qui est tout à fait tangible, palpable. Et je ne veux pas que les gens m'aiment moi, je veux que les gens s'aiment. En tant que personne. Et si vous ne venez pas à mes spectacles, si vous ne m'avez jamais vu sur scène, vous devriez venir. Mais si vous venez donc, tous les fans s'aiment. Ils s'apprécient et ils vont danser, ils vont suer et ils se connaissent tous. Ils se connaissent dans le monde et c'est comme un réseau. Et c'est un réseau impressionnant parce que ce sont des jeunes gens. Aujourd'hui, à l'extérieur de Fun Radio, où j'ai été, on m'a offert des poèmes, des peintures, des photos, des vêtements qui ont été créés pour moi. Ce sont des gens fantastiques, des fans brillants, parce qu'ils pensent et ils croient qu'ils peuvent réussir. Et sinon, musicalement, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que vous avez conscience, moi je ne vous connaissais pas, hein, donc je vous écoute là deux minutes, est-ce que vous avez conscience quand même que la musique que j'ai entendue là, j'ai l'impression de l'avoir entendue depuis 20 ans, toujours la même. Mais vous n'y connaissez rien. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. I think that it was nice. Je crois que c'est intéressant d'avoir un débat. Un débat sur, par exemple, la musique, les femmes telles qu'elles sont considérées dans ce type d'activité. Et je crois que vous avez tort. Non, mais ça, c'est pas grave. Parce que vous avez entendu 50 secondes, même pas, de ce qu'est ma musique. Exact. Et peut-être si vous écoutiez mon album, et que vous faisiez un petit peu de recherche sur la musique pop, vous changeriez d'avis. Vous écoutez, hein. Ah, non, non. Deux minutes. Mais si, les choses ont évolué, Zemmour. C'est pas de la musique pop, c'est du badaboum, 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 c'est tout ce que c'est. C'est pas ça, la musique pop. Zemmour, vous êtes en train de passer pour un vieux con devant tous les téléspectateurs. Moi, j'ai écouté, la musique, c'est pas mal, c'est d'un point de vue littéraire que j'hésite. La musique, c'est pas mal, mais t'es devenu fou. Mais littérairement, j'hésite entre deux citations, une de Poker Face, une de Boys, Boys, Boys. Celle de Poker Face, c'est... Mais c'est fait pour danser. Non, mais vous comprenez pas, quand même, qu'il y a de la musique. J'ai le droit de parler littérature avec Lady Gaga ou pas? Pardon, non, justement. J'hésite entre deux citations. Vous confondez la musique que vous écoutez. Évidemment, si vous comparez écouter Brassens et écouter Lady Gaga, on est mal barré. On est mal barré. Non, mais c'est de la musique pour danser, pour s'amuser. Point barre. Enfin, franchement, ils sont devenus fous. Mais toute production... Merci. Elle reste deux nuits de plus. Non, mais toute production textuelle est susceptible d'être analysée. Donc moi, j'ai deux citations préférées. Très vite, alors. Voilà. Très vite. Poker Face a dit oh, 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 oh et oh, oh, oh. J'ai un faible, ça dépend. Et Boys, Boys, Boys dit oh, 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 oh. C'est transcrit. Vous laissez passer, répondez-lui. Quelle est votre référence? Qu'est-ce qui vous permet d'analyser ce que vous analysez à l'heure actuelle comme ça? Ça dépend des heures de la journée. Il y a des heures de la journée, je préfère oh, oh. Et il y a d'autres heures, je préfère oh, 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 parce qu'il y a... Ils sont cons. Mais... Lady Gaga. Mais j'ai écouté l'album, j'ai lu les paroles. Lady Gaga. Lady Gaga. Vous avez face à vous Mister Gogo. Je pense pas que ce soit idiot. Voilà, Mister Gogo. Voilà, franchement. Faut pas discuter, alors. Non. Franchement, quand vous allez en boîte, vous aimez danser, vous aimez la musique, et vous aimez le sexe et la pornographie, vieux cochon. Alors, laissez-vous faire. Or maybe they don't. Ou peut-être pas du tout. Alors, laissez-vous prendre. Lady, si vous pensez que ça n'a aucun sens... Eh bien... N'en dégoûtez pas les autres. Eh bien, tant pis. Voilà, elle a raison, ce sera le mot de la fin. Lady Gaga. Moquez-vous, Ben Chetrit. Mais vous pourrez être fier. Vous pourrez être fier. Je suis un chroniqueur comme eux. Vous pourrez être fier. Vous pourrez être fier de l'avoir croisé ici. Non, moi j'écris des livres, je suis pas comme eux. Elle faisait deux télés cette semaine. En France, c'était Taratata avec Nagui. Moi aussi. Et c'est pareil. Et chez nous, ce soir, c'est pour ça que moi j'étais très fier de vous recevoir ici. Et on a hâte que vous reveniez sur scène. Vous étiez déjà à l'Olympia en juillet dernier. On va surveiller les prochaines dates de tournée chez nous en France. Alors, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez, puisque vous êtes là encore demain, vous m'avez dit que vous restez une nuit. Demain, Zemmour passe une journée en banlieue avec Ben Chetrit. Ouais. Et le soir, on va tous en boîte avec Lady Gaga. Merci, Lady Gaga. Merci à vous.